Salut à tous, c'est Snake Suisse en compagnie de Raft et de Alastor Ostromos. Donc là, nous voyons à notre droite le Mastermind contre nous quatre à gauche. Le Mastermind est, comme vous le voyez, Daniel, contrôlé par Alastor Ostromos. Justement, j'ai pas les mêmes cartes d'habitude. C'est un peu chier ça. Ah, j'ai cheaté le game. Non, je déconne. Ok, pourquoi je le touche pas lui? C'est quoi ce délire? Je t'ai dit, Robocop et Michael Jackson en même temps, le ping. The fuck? C'est not work. T'arrives à hacker la caméra derrière là? Non, non, pas derrière celle-là alors. Celle-là. Allez. Allez, pourquoi elle s'ouvre pas la porte? Putain, elle est en béton quoi. Ouais, il y en a un qui, y a un des persos, enfin de nous qui lag à mort. J'ai des rollbacks. Moi, ça marche très bien. Moi. Donc le but du jeu est que le, bon, lui, il s'est télépé littéralement là. Le but du jeu est clairement de sortir de ce pétrin de merde, de s'échapper vivant. Là, par exemple, dans cette zone, il faut amasser 3 puzzles. C'est à chaque fois comme ça, sur les 4 différentes maps proposées à la sortie de ce jeu. Mais vas-y, putain, la porte, là. Bien joué, mon pote. Bien joué à toi. Et tu vas crever, saloperie. Et reste à terre. Donc là, c'était un zombie, par exemple, quand on voit qu'il y a le pseudo d'Alastor Ostromos dessus. Bon, il est noir, pas ce qu'il fait. Enfin, quand on voit qu'il y a le pseudo d'Alastor Ostromos sur un zombie ou sur une caméra, c'est qu'il contrôle le mastermind, contrôle cette entité. Donc là, on voit qu'on a 7 minutes 30, on est large pour la zone 2. Donc là, on a différentes lots avec notre argent, différents lots de choses qu'on peut utiliser, des armes contondantes, des armes qui nécessitent des munitions, un kit de réparation pour justement réparer les armes contondantes qui ont une durée de vie, des plantes de soins et plein d'autres choses. Là on voit que j'ai très peu de munitions, mais j'ai plus d'argent, donc on est dans la merde. Je le fais tourner. C'est bon. Tu as eu qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte? Chante les sardines, chante les sardines. Qu'est-ce qu'on est serré? Il est pas à gauche, hein. Si jamais. Il est là-dedans. Par contre, moi, elle est nulle à chier, hein. Défonce les portes en... Ah, sur moi, tirez la tête. Mais pourquoi il y a personne avec moi? Bien joué mon pote. Je pense qu'il faut pas... faut pas... Ouais, mais faut pas compter sur les deux autres alors. Hein. Il y en a un dehors qui va rentrer. Faut qu'on avance. Donc là maintenant j'ai récupéré une carte sur un zombie et cette carte elle va me permettre de pirater 3 terminaux. J'en ai déjà fait un. Donc là il y a le deuxième. T'arrives à t'occuper de la caméra derrière moi, Raft? Non, je peux pas. Ah, si, si. Bah il est pas dessus. Toi. Si, si, il est dessus maintenant. Je vais m'occuper d'un autre terminal.
Tu viens avec moi, Raft? Je suis en train de fouiller, s'il n'y a pas de zombies. Vu que c'est toi qui as la hackeuse. Donc chaque personnage, chaque survivant a son lot de skills. Moi par exemple, c'est une healeuse. Elle peut donner de la vie ou détecter des objets à distance. Vous voyez qu'il y a deux skills différents dans le coin droite, en bas à droite de mon écran. Donc le premier, mon E, c'est pour détecter les zombies dans une courte distance ou les objets. Je prends tout, hein. Qu'elle se faire foutre, tu vois. Et mon G qui est de poser une bonbonne de spray qui soigne dans un rayon pas mal de personnes. Donc là on peut partir, hein. On peut quitter littéralement. T'arrives à hacker la caméra là? Je sais pas où t'es. Bah celle-là. Ah, c'est toi qui es avec moi. Bah attends, j'attends un peu. Bon, il vient. Comment tu fais déjà pour en parler? Alt, tu maintiens Alt et 2, la touche 2. Et regarde-moi, Raft. Ça c'est pour la caméra. Hey, regarde-moi, Charles. Allez, viens, tu me pas. Pas trop. Comment tu veux, moi? Je l'ai débloqué dans une caisse d'emote. Tu l'as acheté, ouais. Non, non, on ne peut pas acheter de caisse. Pour le moment. Mais c'est 50 000 points. Donc en dehors des levels, on débloque du crédit in-game où on peut débloquer des cartes qu'on peut améliorer son personnage ou tout simplement. Je jette une plante verte. Ah putain. Je jette une plante verte. Raft, ramasse ça si tu peux. Je vais lancer un lance-grenade. Avec 5 trucs, tu le veux? Vas-y, vas-y. Tiens. J'en ai déjà un. Ça complote, hein, si jamais Charles. Si jamais t'as pas compris. Ok. Il est en train de préparer ses troupes. Faut qu'on y aille. Chargé! Merde. Des armes contendantes, vite! Bien joué. Donc là j'ai posé mon heal. Ouais, ça fait du bien. Par contre, il y en a un qui est infecté. Merde. Deux à un coup. Va te planquer, Raft. Ouais, t'inquiète. Vas-y, perdre du temps. Est-ce que je peux acheter... Tiens, je vais acheter ça. Je pensais qu'on pouvait lancer des grenades en bas, mais non. Ok, il est mort, tu peux venir. Faut qu'on aille de l'autre côté par contre. Tu le vois l'objectif, Raft? Attends, attends-moi, attends-moi. Ok, on y va. Donc là, on doit péter des cuves qui contiennent le virus. Des culs. Des cuves. Hack la caméra si tu peux, Raft, s'il te plaît. Je peux pas, j'ai déjà... Bah attends, je vais faire mon...
Fais ton jet si tu peux. Je le fais déjà. Ok. On descend. On va là-bas. Elle est là-bas. Allez, reste à terre. Vous venez? Oh putain, il a activé le truc. Donc on répète une deuxième cuve, il y a trois cuves en tout. Ah bah la dernière est là. Vous êtes prêt vers la porte si jamais? Ah, moi je suis mal foutu. C'est trop mal foutu. Ouais, cette vision, putain. Je t'y jure. Oh là là, pourquoi il me le fait pop à 3 km? C'est stupide. C'est tellement bugué. Merci pour le loot, Charles. Putain, il a tout ramassé. Bah reste là, connard. Je te le laisse, hein, il est gratuit, Charles. Il est là-haut, il est gratuit. Tu l'as vu? Il m'a piqué mon lance-flamme. Je te le laisse. Hein. Eh, amuse-toi bien. Hein. Surtout, finis-le. Hein. Ah, mais t'es là, toi. On peut se barrer. Je te soigne. Ah, ça peut me réanimer. Oui. Oh, il est tellement lent, c'est ouf. Ah, t'as le seum, hein. T'es mort, Raft? Raft. Et voilà. Ciao, hein. Et ciao, Charlie. C'est dur en Masterman quand t'es nouveau, hein, je trouve. Ouais, c'est super dur. Enfin, là, t'es pas nouveau encore, mais... on en a plus chié qu'avec toi, Raft, pour être ouais, honnête. Je sais. J'avais que des cartes de merde. Mais je pense que j'aurais quand même S. Imaginez-vous simplement un truc, c'est que déjà, j'ai pas les cartes que j'ai chopées hier, premièrement, et deuxièmement, on n'est pas tous au même niveau. Oui, puis là, je pense qu'on a eu de la chance parce que nous, de notre côté, on avait des joueurs qui jouaient le jeu et qui n'étaient pas nonchalants et qui n'étaient pas contre nous. Parce que les joueurs qui sont avec nous, qui sont random, peuvent très bien jouer le rôle inverse et être toxiques. Parce que là, dis-toi que j'ai eu quand même rambé, hein. Sachant que ça s'est pas passé. J'ai eu S comme dans MPO. Ah, bien joué, Raft. Et Raft, tape là, Raft. Donc on va juste voir le niveau des autres là, combien ils étaient. Ah, ils sont tous niveau 1. On est tous niveau 1 avec nos persos. Ah ouais? Ouais. Il n'y a que toi qui es niveau 2, Ostromus. Bizarre. Voilà.